Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et là, on va faire quelque chose que j'adore, c'est de l'unboxing. On va découvrir ce qu'il y a dans ces petits paquets de Playmobil. Alors, ce sont des Playmobil de l'année 2020 et c'est les figures filles. Alors, premier paquet. C'est la série 17. Alors, donc, dans la série 17 des figures, je peux avoir pas mal de petites choses. Je vous montre. Donc, celle que j'ai, c'est celle-ci. Allez, je vais la monter, c'est parti. Alors, vous, vous aurez les petits bras. Ça, sa tête. Avec les cheveux. Oula, les cheveux. C'est les cheveux d'avant, quoi. Alors, ses petites jambes. Ensuite, son petit... Ça, c'est le système Playmobil. Il va vers le bas. Ah non, je dois mettre les jambes. Mais il a pas de jambes. Allez, une robe. J'adore faire ça. Bon, ça n'a pas fait clic, c'est bon. Parce que ça fait pas clic, c'est bon. Ensuite, on met les bras. On met dedans. Oh, purée. Ça fait clic ou pas clic? Ah, ça fait pas clic! Donc voilà, mais avant de mettre la tête, il y a plein d'accessoires, hein, les gars. Alors, attends, il y a ça, ensuite, oh, elle a des œufs, toute petite boîte d'œufs, t'as vu? Une brique de lait qu'il va falloir que je mette l'autocollant dessus. Qu'est-ce que, la collerette, c'est devant, et la tête. Bonjour madame qui vend des bretzels. Je peux bien l'envers les bras? Ah bah faut lui mettre son truc sur la tête hein. Avec un autocollant. Alors les œufs, petit accessoire qui vont avec. Donc je vous la montre. Elle a pas de nom. En fait ils ont pas de nom, pas de numéro. Mais bon, ça doit être la vendeuse de bretzels. Hop. Donc voici mon premier personnage avec ses petits accessoires. Allez, on continue. Alors, j'ouvre mon deuxième paquet. J'avoue que j'ai, en regardant, il y a une trop belle princesse. Si je pouvais voir celle-là, ça serait trop bien. Deuxième paquet de la série 17. C'est parti! Je découvre... La princesse, trop bien. Alors, attends. Alors, oh, elle est trop belle. Bah, oh, trop bien. Le corps, il est déjà fait. Donc, voilà mon corps. Enfin, son corps, pardon. Ensuite, je mets les bras. Elle a pas des décos. Ah ouais, elle a plein de trucs sur les bras, mais c'est après que je vais mettre tout ça. Ouh, les gars. C'est quoi, ça? C'est des beaux coups d'oreilles. Ah non, pas du tout. Non, non, c'est des toutes petites fleurs pour mettre sur sa robe. Mais alors, toute petite, hein. Alors, je mets mes bras, le bras. Oh mon Dieu, mais il y a un tout petit chien, il est trop mignon. Alors, je mets ses bras, son corps. Oh, elle a des chaussures, franchement. Donc là, je fais comme ça, là. Hop. Oh, elle est beaucoup maquillée. Alors, le système de clip. Alors, je vais mettre les petites fleurs ici. C'est le devant, ça? C'est pas... Bon, écoute, ça sera le devant, hein. On va faire comme ça. Oh, c'est trop bien! J'ai l'impression d'avoir 5 ans. Oh là là, trop joli. Oh, et le petit chien, mais regardez ce petit chien. Faire le focus. Bon, je ferai des plans parce que... Mais il est trop mignon.
Allez, viens, petit chien. Alors, du coup, oh, la laisse, elle est trop bien faite. Les rubans de petits nœuds, ils doivent être derrière. Hein. On les voit pas devant. Ils doivent être derrière. J'ai même pas mis. Attends. Oh, il me manque une fleur! Ça rentre pas, ça. Non! Attends, j'ai dû oublier mon truc. Non, peut-être dans celui-là. Ah non, hein! Oh, Playmobil, ne faites pas ça, hein, il manque un truc déjà! Non, j'ai dû la faire tomber. Alors, le chien, la robe, elle était dans le coin d'une robe. Non, mais je le crois pas! Hein, ils m'ont mis deux nœuds, celui-là, il sert à rien! Oh non! On se reprend. Tant pis, hein, il te manquera un truc. Hein. Alors, les petits manchons. Se mettre là. Là. Ah, voilà, une coupe jolie, elle. Et on attend le clip. Ah, c'est claqué, c'est bon. Son petit turban, trop mignon. Oh, mais ça tient pas, ça glisse! On va lui mettre sa tête. Hop! Allez, jolie princesse. Donc là, elle a le joli maillot de bain pour aller à la piscine. Alors, ça c'est devant, je pense. Alors, c'est la première fois que j'utilise ce système de clip là. Hop, Playmobil. Tac. Allez, c'est pas grave. Elle aura un joli nœud dans les mains aussi. Et le tout petit chien trop mignon. Je vous la montre. Voilà la jolie princesse. Avec son chien tout mignon. Mais bon, il me manque une fleur derrière. Si vous pouvez me dire où je peux en trouver. Peut-être aussi de ce Playmobil. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Surprise, surprise! Mais c'est incroyable! Non mais c'est un truc de fou! Franchement, j'ai eu les trois belles, les trois plus belles. Alors donc du coup, est-ce qu'il va manger quelque chose dans celle-là? Je sais pas. J'ai la deuxième princesse avec des ailes. On est parti, on monte. Montage. Ah, oh, c'est bien, à chaque fois ils font ce petit montage. C'est génial. Donc, les bras. Tuc. Ah, joli, hein. Allez, je vous montre. Alors en fait, je prends le personnage qui est déjà préparé. Je lui mets les bras sur le buste et j'insère et ça va faire clic. Ah. Attention, clic. Il n'y a pas de clic. Bon, il n'y a pas de clic, mais c'est ça, tiens, bon. Oh, c'est joli, elle a des jolis rubans là sur les mains. Des rubans ou des tatouages. Parce que je lui ai mis les bras à l'endroit. Oui, elle a les bras à l'endroit. Bon, ensuite, qu'est-ce que je dois mettre? Ah, j'ai envie. Les ailes. On les met quand, les ailes? Ah, là, une petite coupe à la. Fait clochette. Ok. Elle a des petits nœuds sur sa robe. Il va pas en manquer, là. 1, 2, 3, 4. Non. 1, 2, 3, on met des ici, voilà, voilà, mais, ah non, hein. Faites pas ça vous aussi, hein. Voilà, ça et derrière, donc derrière elle a un gros nœud, quand j'étais plus petite, non, même en fait encore, quand je dessine des robes de princesse, je fais toujours comme ça en fait. Ah, et j'ai un ruban en plus. Donc je mets de côté. Je vais lui clipper sa robe. Hein, écoutez, hop, on va clipper la robe. Ah, les bras, ils me gênent.
Allez, vas-y, jolie princesse, on y va. Donc, je prends les deux bouts de la jupe et clac, et clac. Là, on a entendu les clics. Pour porter les ailes, c'est un accessoire. En fait, je vais lui mettre sur les épaules. Je crois. Ou pas. Attendez. Ouais, voilà. Je lui mets sur les épaules. Je vais lui mettre la tête. Oups. Bon, je mettrai la jupe après. Ah oui, j'étais en train de mettre la tête à l'envers. Non. Tac. Voilà. On va remettre la jupe qui s'est fait la malle. Celle devant. Derrière. Ta-da. On va lui mettre ses cheveux quand même. Attention, mes cheveux. Voilà. Elle a un petit nœud dans les cheveux. On va mettre le petit nœud dans les cheveux. Alors, voilà, jolie princesse sans ses ailes pour le moment. Je la trouve très mignonne. Donc, elle a une harpe. Je les trouve plus jolies en vrai. Elles sont vraiment très jolies, ces poupées. Attention. Poupées, ces figurines. Ah, dans l'autre sens. Hop là. J'ai le papier qui me montre comment est la figurine en fait. Bon, bah, j'ai un ruban de plus. Donc un petit ruban de plus. Je vous la montre. Jolie, hein? Super jolie. Et de derrière. J'ai tout ouvert. À bientôt pour un nouveau unboxing. En tout cas, j'ai passé un super moment. Ciao !